Alors que le maestro Johan grimpe tranquillement les échelons des gains dans l'émission, battant ses challengers avec une facilité déconcertante, les téléspectateurs ont assisté à une scène hilarante et à la fois surprenante en tout début de la seconde partie de N'oubliez pas les paroles, une séquence qui a laissé le patron interloqué, et le reste de l'orchestre plié en deux, signé Magali Ripoll. Nagin non, non garde ton tutu, Magali Ripoll a encore frappé. Tout a commencé tout à fait normalement en première partie d'émission, même si les membres de l'orchestre de N'oubliez pas les paroles ont toujours le mot pour rire et que Nagui a comparé le maestro à Tintin dès les premières minutes de la deuxième partie. Une ambiance bon enfant, où l'on sent que règne un grand sens de l'humour pendant les pauses sur le plateau. À la reprise, Magali Ripoll qui était tout de jaune vêtue avait ajouté des accessoires, un tutu rose et une couronne, ce que Nagui a immédiatement relevé, félicitant sa collaboratrice et la questionnant sur son éventuel rêve de devenir danseuse étoile. Oh, ce tutu te va tellement bien. Incroyable, a-t-il lancé à Magali, tu rêvais d'être danseuse, petit rat d'opéra ou pas quand tu étais petite fille ? Malheureusement, je suis raide comme un morceau de bois a-t-elle regretté, se lançant dans une démonstration de levée de jambes infructueux. Profitant de ce que le maestro démontre à son tour combien il savait faire preuve de souplesse, Magali Ripoll a cru pouvoir en profiter pour retirer discrètement son tutu et remettre sa robe jaune canari en place. Non non, garde ton tutu lui a alors lancé Nagui je ne suis pas sûr de la scène a-t-il ajouté, le tutu a mis cuisse là je ne suis pas sûr mi amusé mi perplexe face à la scène. Prise en flagrant délit de déshabillage, Magali a tenté de se défendre mais non, si est-il coupé, il y a mon instrument et la tête de Karen devant. Très bien a enchaîné Nagui visiblement perplexe devant cette séquence qui, on en est sûr, n'aura pas échappé aux téléspectateurs.